n'importe quoi. Toujours le même truc. Hop là. Balles. 22, what the fuck? C'est pas ouf hein. On est tranquille, ça fait plaisir. 5 balles d'un retour. On a la foison. Ok, tac 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 tac. Ah, c'est chiant. Oh, PUBG. Utopia. FNAC de pack pour le carré. Man Sky. Eh bien bonjour à tous, c'est le retour de la chaîne Heartbreaker, tout fraîchement revenu des soldes. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas sélectionné spécialement les meilleurs endroits pour pouvoir trouver des petites choses. Mais on a quand même pu trouver notre bonheur dans ces soldes 2020, hiver 2020. Et on a été plutôt surpris des petites affaires qui sont sorties. Une petite pensée notamment à Kouryu, allez vous abonner à sa chaîne, il fait vraiment du contenu super sympa. On s'est croisé, il a fait vraiment de très très belles soldes. Je vous invite à aller voir sa vidéo, je pense qu'il la sortira un petit peu après, ou peut-être aller déjà en ligne, n'hésitez pas à y aller. On va commencer tout de suite par Carrefour, qui s'est un petit peu amélioré, on va dire. Donc déjà on a pu retrouver du jeu vraiment à profusion, ce qui nous a manqué l'hiver dernier. Donc c'est parti, on commence avec un beau petit God of War payé 5 €. Alors la mise au point est pas ouf, voilà, je vous le mettrai comme ça. Ensuite, s'en est suivi une petite sacoche toute mimi à l'effigie de Mario 8 bits, voilà, sur la NES. Elle est vraiment très jolie pour la Switch, toute neuve, nickel, avec la petite, le petit porte-clés, le petit fermoir en forme de champignon. C'est plutôt sympathique pour 5 € également. On s'est récupéré le Evoli, alors c'est pas pour moi, c'est pour Johnny qui l'a souhaité. Attendez, je vous le mets là, voilà. Pokémon Evoli sur Switch, voilà, je lui enverrai par la poste. Il y avait dans ces soldes Carrefour le Steam World Dig 2 sur la Switch également, pour la somme de 5 €, ça c'est cool. Des petits jeux Switch à 5 €, bah ça c'est vraiment plutôt sympa. Carrefour toujours qui nous fait un petit Dragon Ball Fusion. Alors certains bacs étaient plutôt assortis en nombre de jeux, et certains bacs il y avait carrément des fois un seul exemplaire du jeu, donc c'était pas évident de contenter tout le monde forcément. Donc 8 € le Dragon Ball Fusion, c'est plutôt cool comme prix pour une licence que j'affectionne énormément. Le Just Dance 2019 pour la Wii U, le full set bien entendu. Une bonne opportunité de récupérer celui-ci à ce prix parce qu'il y en avait vraiment pas mal. Donc on s'est dit, comme il nous le manque pour la Wii U, eh ben banco, on y va. Et on va continuer maintenant avec Cultura. Il n'y aura pas de FNAC, je n'ai pas fait Leclerc non plus. J'ai essayé de restreindre un petit peu les endroits où je vais. Sur la FNAC, j'y ai été même, mais rien trouvé de très intéressant. Donc là, on passe directement à Cultura. Le Lego City Undercover pour la somme de 6 €, hop, voilà, en neuf et en Nintendo Select. Donc on l'avait déjà en occasion ouvert et pas en Select. Donc pourquoi pas, c'est une somme plutôt raisonnable. 70% de 20 €, ça fait dans les 6-7 €. Je ne sais plus exactement. Alors celui-là, je ne l'avais pas totalement, mais un petit peu déçu parce que la boîte est défoncée. Elle est pliée ouverte, blister ouvert. Bon, bah tant pis, c'est comme ça, c'était le seul exemplaire. Et donc pareil, pour la somme de 6-7 €, pour le Fast, ça c'est un jeu un peu à la Wipe Out. Sur la Wii U, pareil, ça augmente un petit peu le full set. Mine de rien, ces soldes nous auront permis de grappiller quelques petits jeux davantage pour le full set. Et là, incroyable mais vrai, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps, des jeux PS4 pour la somme de... Bah, entre 2 et 1 euro et 3 euros selon le prix, parce que regardez, ils étaient tous à moins 90%, c'est ultra rare maintenant de trouver des jeux soldés à ce prix là, là on parle vraiment de vrais soldes. Il y avait le LX, alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est honnêtement, je l'ai pris vraiment parce que le prix était très attractif. On parle de quoi alors? C'est un open world RPG avec des créatures, un grand monde ouvert à explorer avec des bébêtes et un guerrier mi-futuriste, mi-chevalier. Il y avait le Rime, hein, celui-ci on ne le présente plus, il était pas mal soldé déjà aux soldes dernières et donc là on le retrouvait à 3 €, donc sur PS4 en 9, dites-vous que c'est quand même un excellent prix, donc faut pas hésiter. Le Micro Machines à 20 € soldé, donc du coup ça vous fait moins 90%, ça vous le fait à 2 € et quelques, ou moins de 2 €, c'est un truc de fou. 2 € pour des jeux neufs PS4, et en plus Micro Machines c'est une très très bonne licence. Le Lost Fear qui est pareil à 34 €, donc ça fait du 3,50 € à moins 90%, donc c'est un très bon prix ça aussi. Voilà, de très bonnes affaires pour ces Cultura qui ont vraiment su vraiment être très attractifs. Et à 15,99 €, ça c'est le pire du pire, 15,99 € moins 90%, et ben là on est carrément sur du 1,50 € le jeu, enfin à peu près quoi, grosso modo faites le calcul, mais on est vraiment en dessous des 2 €, on est encore vraiment plus bas. En tout cas voilà, ça sera tout pour ces soldes 2020 jeux vidéo. Maintenant je vous invite à aller voir une autre vidéo, puisque j'ai décidé d'en faire une deuxième. Ça fait 3 vidéos d'un coup en peu de temps. C'est le hasard du calendrier. On démarre 2020 vraiment très rapide, mais genre après il n'y aura plus de vidéos pendant un certain temps. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, je fais en fonction du feeling, tout simplement. Là j'avais envie de faire 2 vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc auquel je ne m'y attendais pas du tout, c'est que j'ai trouvé énormément de Lego soldés, notamment des Lego Star Wars. Alors là on a su toucher à la corde sensible, donc je vous invite à aller voir ce que j'ai trouvé en solde Lego et autres que Star Wars aussi. Il y a un petit peu de Fantastic Beasts, les animaux fantastiques, et donc je vous invite à aller voir cette vidéo, le lien sera juste après le générique de fin. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la page Facebook et à liker si ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez trouvé en solde, s'il y a des petites choses qu'on a loupées ou qu'on n'a vraiment pas eu le temps. C'est vrai que beaucoup de gens ont eu des choses et d'autres n'ont pas eu les mêmes choses, donc c'est vrai que c'est toujours limité à travers les stocks, donc c'est toujours sympa de voir ce qui est tombé. A très bientôt, ciao!